Comment devenir voix off? Voilà un sujet assez intéressant. C'est un métier très particulier et je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Donc, c'est le sujet de la vidéo du jour. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Plusieurs fois par semaine, je te partage des astuces, des tutos pour t'aider à bien chanter et à bien gérer ta voix. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout clique bien sur la petite cloche si tu veux recevoir les notifications. Ça nous permettra de rester en relation puisqu'à chaque fois que je serai en direct sur cette chaîne, eh bien, tu en seras tout simplement alerté et nous pourrons échanger. Le métier de voix off, c'est un métier particulier puisqu'en fait, la voix off, c'est une voix qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un comédien, à l'inverse d'un chanteur, d'une chanteuse qui se produit sur scène, eh bien, la voix off, elle, son rôle, c'est justement qu'elle est off, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Alors, il y a plein de métiers différents dans le métier de la voix off. Il y a la voix de doublage. Donc, la voix de doublage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un film, par exemple, qui a été tourné aux États-Unis avec un acteur américain, avec des actrices et des acteurs américains. Et eh bien, pour la France, on va avoir des voix françaises. Donc, ce ne sont évidemment pas les voix originales, mais ce sont des comédiens de doublage qui vont donc réenregistrer en fait par-dessus les voix d'origine la voix française. Alors, c'est un exercice assez balèze à faire parce qu'il va falloir suivre la petite bande qui défile avec le texte qui aura été réécrit à la main, avec une petite mire qui en fait indique quand on doit dire le texte pour que ça soit bien synchronisé avec les lèvres. Donc, c'est un exercice assez compliqué parce qu'en plus, il faut être dans le rôle en même temps qu'on fait ça. Donc, il faut avoir un œil sur l'écran, un œil sur la bande qui comporte le texte et en plus, il faut pouvoir jouer la comédie en même temps. Alors, on a aussi les voix d'illustration, les voix pour les publicités, pour les annonces radio par exemple. Et puis, un métier qui est apparu récemment qui sont les voix pour les livres audio puisqu'il y a de plus en plus d'enregistrements de livres audio et donc il y a des comédiens voix off qui enregistrent ces livres audio. Alors là, c'est encore un autre exercice parce que ce sont des livres qui peuvent durer 7 à 8 heures. Alors évidemment, on n'enregistre pas tout d'un coup, mais on demande à ce que la voix soit assez égale parce que on ne souhaite pas que les émotions du comédien qui enregistre la voix du livre audio viennent supplanter tes propres émotions à toi qui écoutes le livre. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment à toi de vivre les émotions du livre et pas à la personne qui te le lit. Donc sur les voix des livres audio, sauf si ce sont des comédiens à qui on demande justement de mettre leurs pattes de comédien, mais sinon ce sont des voix qui doivent rester, je dirais, assez neutres. Alors, la première compétence pour moi qui est la plus essentielle, on parle de voix off, donc tout de suite on va penser au son de la voix, mais pour moi la première compétence que doit avoir une personne qui veut faire de la voix off, eh bien, ce sont des compétences de comédien. Il faut absolument savoir jouer et on parle d'ailleurs de comédien voix off. Pourquoi? Parce que il faut pouvoir jouer avec sa voix, c'est une chose, mais il faut pouvoir jouer avec ses émotions. Une voix off n'est jamais là par hasard. Quand tu doubles la voix de Bruce Willis par exemple dans son dernier film, eh bien tu dois retranscrire avec ta voix toutes les attitudes de l'acteur, comme si toi-même tu étais en train de vivre la scène. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être un bon comédien si on veut être une bonne voix off. Il faut du coup avoir un grand panel de jeux, hein, c'est-à-dire qu'il va pouvoir falloir faire les voix tristes, les voix en colère, crier, parler à voix basse. On ne peut pas se restreindre du coup à un style vocal puisqu'on doit pouvoir avoir toute la palette que le comédien d'origine a. Et puis, il faut aussi pouvoir énormément jouer avec sa voix. Il faut avoir beaucoup de couleurs dans son panel vocal parce que il y a des voix, par exemple, toi, dans les dessins animés. Alors, dans les dessins animés, toi, ils vont parler comme ça, par exemple, c'est un personnage. Et puis les méchants vont aussi parler comme ça. Et ça sera encore une autre voix. Et bonjour, monsieur, nous allons parler avec cette nouvelle voix. Il faut pouvoir changer, eh bien, hop, tout de suite, rapidement, de voix. Et bien souvent, dans les dessins animés, par exemple, c'est le même comédien qui réalise parfois 4, parfois 5 personnages. Donc, il faut pouvoir changer de voix, faire les questions, faire les réponses avec des voix différentes. Et en plus, il ne faut pas se tromper. Donc, ça, vraiment, ça demande de pouvoir jongler avec sa voix énormément. Et j'en arrive au point suivant,
qui est de bien connaître son organe, de bien connaître sa voix, de bien savoir où on en est. Les séances d'enregistrement, ça peut durer 3 heures, 4 heures. On peut faire deux sessions dans la journée. Quand par exemple, on fait le doublage d'une série de dessins animés, ben peut-être que pendant 5 jours d'affilée, on va enregistrer des dessins animés et des dessins animés avec les voix. Du coup, il faut que ta voix tienne le choc. Et il faut qu'elle tienne le choc avec la voix des méchants comme la voix des gentils. Et donc, quand tu proposes en tant que comédien voix off une voix pour un personnage, il va bien falloir t'assurer de pouvoir faire cette voix tout le temps. Parce que peut-être qu'en t'amusant, tu peux faire une voix comme ça maintenant, mais imagine que tu joues le personnage, un personnage qui intervient durant toute la saison, donc pendant par exemple 25 épisodes, il faut qu'au cours des 25 épisodes, tu puisses refaire à chaque fois cette même voix. Hein, si ta voix varie d'un épisode à l'autre, eh bien ça va être compliqué. D'ailleurs, je prends l'exemple de la personne qui double la voix d'Homer Simpson. Si tu connais cette série, eh bien il a mis plusieurs semaines à vraiment affiner la voix du personnage jusqu'à trouver la voix qui collait bien au personnage et la voix qu'il pouvait refaire jour après jour. D'ailleurs, quand les producteurs de la série américaine ont entendu la voix de la doublure française, ils ont adoré, ils ont dit, mais c'est exactement la voix qu'on imaginait pour notre personnage. Donc, si tu veux apprendre ce métier qu'est le métier de comédien voix off, alors il y a différentes écoles. Moi, je peux te parler de l'école Vox Populi, qui est l'école de la voix, qui est une école que j'ai fréquentée, qui se trouve en région lyonnaise. Donc, c'est une très belle école avec des intervenants magnifiques et de très, très grandes compétences. Et puis, il y a aussi un studio d'enregistrement. Donc, tu peux aussi tester les techniques de micro. Ça, c'est aussi important parce que le comédien voix off, eh bien, il doit savoir manier le micro à la perfection. Si cette vidéo t'a intéressé, si tu penses qu'il y a des amis qui sont intéressés aussi par le métier de comédien voix off, eh ben n'hésite pas à leur partager. Moi, ce que je t'ai préparé en cadeau pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, ce sont les conseils des meilleurs coachs mondiaux. Alors pour ça, pour les recevoir, il n'y a rien de plus simple. Tu as juste à cliquer dans la description, il y a un petit lien, tu cliques dessus, tu vas voir un panneau qui s'affiche et tu laisses simplement ton prénom, une adresse mail et tu vas recevoir dès demain les conseils des meilleurs coachs que j'ai rassemblés pour toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao!